Coucou à tous, bienvenue les amis, j'espère que ça va aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver puisqu'on va parler d'un jeu que nous attendons avec beaucoup d'impatience sur la chaîne. Ça arrive le 31 octobre prochain pour Halloween. Je parle bien sûr de Luigi's Mansion 3. Alors je vous en avais déjà parlé, j'avais fait une courte preview mais un petit peu trop courte lors de l'événement Nintendo Post 3. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pu jouer très longtemps, un petit quart d'heure. C'est dans une grande pièce avec beaucoup de bruit, un petit peu hein, comme sur les salons. On peut pas trop s'immerger. L'ambiance dans Luigi's Mansion, c'est quand même super important. Et bien là, j'ai pu y jouer pratiquement 2 heures tranquillement, seule, dans une pièce. Et je me suis régalée. J'ai plein de petites précisions à apporter, plein de choses à vous dire sur ce jeu que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. J'adore la licence et je sais que vous êtes nombreux à l'attendre aussi. C'est donc parti. On se rend dans l'hôtel du repos éternel. Alors oui, l'hôtel du repos éternel, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille à la bande de Mario, pas du tout. Non, 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 ils y sont allés, ils sont tombés dans le piège du roi Boo, hein, qui les a donc invités, Mario, Luigi, les Toad, la princesse, évidemment. Ils sont venus, ils sont tous là, Luigi accompagné de son chien fantôme, qui va être d'une aide précieuse tout au long de cette aventure, pour nous indiquer un petit peu le chemin, si jamais on est perdu. Et vous le voyez, ils arrivent dans cet hôtel, un petit peu comme dans, vous savez, comme dans les films d'horreur, les slashers, ils se doutent de rien, hein, ils se doutent de rien, c'est les seuls à ne pas comprendre que it's a trap. Et donc ils arrivent, c'est magnifique, c'est très luxueux, ils vont rencontrer tout de suite énormément de personnages qui ont des noms qui peuvent aussi mettre la puce à l'oreille, mais non, toujours pas. Mais tout de suite, le premier constat en tout cas, c'est que c'est vraiment très joli. Enfin, le premier constat, je vous l'avais déjà dit hein, lors de ma première preview, vraiment, c'est ultra joli, c'est ultra propre, c'est coloré, l'ambiance sonore est dingue, visuellement il y a des jeux d'ombre et de lumière qui sont très soignés, c'est vraiment un très 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 joli jeu, j'ai envie de dire que c'est le Luigi's Mansion presque parfait. Je dis presque parfait, pour l'instant difficile de lui trouver des défauts parce qu'on retrouve vraiment l'essence, hein, c'est du classique Luigi's Mansion, mais avec tout un tas de mécaniques en plus, plus grand, plus vaste, plus beau, plus tout, voilà. Donc on est content, si vous êtes fan de la licence, je pense que vous l'attendez avec impatience et puis vous allez le voir, vous allez tout de suite retrouver les bonnes sensations puisque, eh bien, au bout de quelques heures, chacun va dans sa chambre, les Toad, Mario, Luigi, la princesse, et puis la princesse s'inscrit, Luigi se réveille, s'est endormi, et là, c'est la panique. L'hôtel luxueux se transforme en hôtel horrifique, c'est Halloween, hein. C'est totalement un jeu pour Halloween, hein, évidemment. Et donc, on va se mettre à la recherche de ses amis, on se rend compte que c'est un piège, que le roi Boo, donc, eh bien, les a enfermés dans des tableaux, il veut nous enfermer, hein, enfermer aussi Luigi dans un tableau, on réussit, vous le voyez, à s'enfuir. Et puis, on va devoir se débrouiller pour pouvoir trouver une solution, évidemment, malgré la peur de Luigi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va évidemment retrouver le professeur Catastrophe, qui va nous permettre d'utiliser l'Ectoblast, le nouvel Ectoblast, hein, avec ses nouveaux pouvoirs. C'est ça aussi les grosses nouveautés de ce Luigi's Mansion. On va pouvoir utiliser notamment le Spectroflash, il faut bien articuler pour le dire. Ça va nous permettre de figer les fantômes, hein, comme ça, de les... freeze, pour pouvoir les attraper tranquillement, les aspirer. Mais je dis les aspirer tranquillement, ça n'est pas si aisé que ça, vous allez le voir, il y a quand même un coup à prendre, hein, mais après, c'est très très facile à prendre en main, une fois que vous avez le petit coup, mais ça bouge dans tous les sens, vous le voyez, une fois que vous allez les aspirer, va falloir tirer, pousser le joystick dans le sens inverse, et comme ils partent un petit peu partout, faut s'adapter pour pouvoir les aspirer eh bien, dans notre Ectoblast. Donc c'est vraiment, c'est assez nerveux, hein, c'est assez dynamique. Et puis vous allez pouvoir aussi les projeter. La projection, en fait, ça vous permet d'exploser, de projeter les fantômes sur le sol, un petit peu dans tous les sens, voire les uns contre les autres, pour pouvoir, en fait, prendre un fantôme pour taper sur un autre fantôme. Ça, c'est assez pratique, c'est assez jouissif. Donc ça, c'est vraiment la méthode de base. Mais vous avez aussi d'autres méthodes. Par exemple, vous allez pouvoir vous servir du lance-ventouse, vous le voyez, hein, sur des surfaces plates. Vous allez pouvoir dégager des passages.
Alors, pas toutes les surfaces. Hein. Vous n'allez pas pouvoir tirer sur tous les éléments. Par exemple, à un moment, je me suis acharnée sur un gros canapé. Ça ne marchait pas puisque c'était un petit peu trop lourd. Mais vous allez pouvoir interagir avec tout un tas d'éléments pour dégager des passages et notamment aussi arracher les boucliers de certains fantômes. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous avez aussi la bourrasque qui va créer un souffle, une onde de choc, vous le voyez. Ça repousse les ennemis si vous vous retrouvez encerclé par plusieurs fantômes. Ça permet aussi d'exploser un petit peu tous les éléments qui vous entourent et de dénicher des secrets, des billets, des pièces notamment. Et puis, vous avez Gluigi, alors avec lequel j'avais pu jouer lors de ma preview de l'E3. Là, j'ai pas eu le temps de le revoir puisque j'ai vraiment attaqué le jeu. Dès le début, là, ce que vous voyez, ce sont vraiment les premiers instants, la première heure et demie, deux heures. Et j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais je vous en avais parlé, hein, Gluigi, c'est votre double verre gluant qui va vous permettre d'atteindre des endroits inaccessibles, passer sur des pics, par exemple, aller ouvrir des portes, ouvrir des coffres qui sont pas accessibles pour Luigi. Et puis surtout, si vous jouez en coop, si vous jouez à deux, eh bien, vous allez pouvoir, un joueur incarner Luigi, l'autre Gluigi. Et je trouve que ça fait une mécanique intéressante dans ce Luigi's Mansion. Alors, on revient un petit peu à ma preview, effectivement. On va se promener tranquillement dans cet hôtel où on va découvrir mille et un secrets. On va évidemment se faire aider par le professeur Catastrophe à travers le Virtual Boo. On va pouvoir regarder la carte de l'hôtel pour savoir où on va, avoir notre objectif et puis surtout avoir des renseignements. Hein. Le professeur Catastrophe va nous aider à évoluer si on se retrouve un petit peu perdu. Mais là, le but du jeu, ça va vraiment être de retrouver les boutons d'ascenseur. Vous le voyez, on a cet ascenseur qui va se déplacer, hein, évidemment, à travers tous les étages. Chacun des étages correspondant un petit peu à une ambiance. On va avoir des tombes égyptiennes, on va avoir un studio de cinéma, on va avoir une sorte de forêt avec des lianes. Il y a plein de petites ambiances, moi, évidemment, hein. En deux heures, justement, j'ai pas pu voir tous ces endroits, mais en tout cas, j'ai pu récupérer déjà au moins deux boutons. Et en récupérant les boutons d'ascenseur, évidemment, vous allez pouvoir aller vous balader à travers les différents étages. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce Luigi, c'est vraiment l'ambiance parfaite. C'est vraiment... Il y a une atmosphère, j'irai pas jusqu'à dire que ça fait peur, mais il y a quand même une petite pression. Les fantômes, je vous l'ai dit, sont pas forcément faciles à combattre, surtout les mini-boss, en tout cas les deux mini-boss que j'ai rencontrés. Le terrain de jeu est vaste, on a envie de fouiller partout, choper toutes les pièces, tous les secrets. C'est vraiment très joli, il y a mille et une choses à regarder. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment très joli. Encore une fois, quand on est amoureux de la série, on ne peut pas ne pas craquer sur le jeu. Et puis encore une fois, c'est facile à maîtriser, vous le verrez, même s'il y a un petit coup à prendre. Tout de suite, on se sent à l'aise, on se sent dans le... On se retrouve vraiment... On se sent à la maison, en fait, quand on connaît un petit peu la série, quand on aime. Et toutes ces petites mécaniques donnent du sel à l'expérience. Là, vous le voyez, hein, on va dans le garage pour aller voir le professeur Catastrophe. Il a établi son labo de fortune. On a réussi à l'extirper de son tableau dans lequel il était prisonnier lui aussi. Il y a plein de petites choses comme ça à maîtriser. Il y a plein de lieux à explorer. Les pièces sont bien sombres. L'ambiance est délicieuse. Honnêtement, je pense que sur Nintendo Switch, alors évidemment, hein, à part le prochain Zelda, mais là c'est vraiment le jeu que j'attends, donc j'ai hâte, j'espère pouvoir vous faire le test, parce que ça arrive le 31 octobre, et techniquement je serai en train d'accoucher, ou je viendrai d'avoir mon bébé, donc je ne sais pas si je pourrai vous faire le test, on y jouera peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience, et là j'ai passé deux heures délicieuses, dans lesquelles voilà, j'ai eu la confirmation que ça fonctionnait très bien, que l'ambiance était top, et qu'il y avait mille et un secrets à découvrir, et on n'a qu'une envie, c'est explorer tous ces étages pour découvrir cet hôtel, ce magnifique hôtel qui se transforme en hôtel horrifique à la nuit tombée. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire concernant ce Luigi's Mansion. Alors évidemment, c'est ce que je disais, vous allez pouvoir y jouer seul, mais aussi en coop. Je pense qu'avec le Gluigi, ça peut faire une dualité intéressante. Si vous aimez jouer à deux, moi c'est plutôt le genre de jeu auquel je joue seul, mais ça mérite d'essayer. Si je fais le test, en tout cas, je pense que j'essaierai éventuellement avec Julien pour vous dire en tout cas hein, ce que ça donne. Mais ça apporte quelque chose de vraiment intéressant.
Et puis voilà, on a vraiment hâte de pouvoir découvrir tous ces. Alors on a vu hein, les quelques images hein, des différents étages, mais pouvoir vraiment tous les explorer, voir les différents ennemis avec lesquels on va pouvoir interagir. On a des petites araignées aussi, enfin plein de petites bestioles qu'on va pouvoir électroflasher là pour pouvoir récupérer de l'argent. Bref, j'ai hâte. Donc si vous aussi vous avez hâte et si vous attendez Luigi's Mansion, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Comme d'habitude, je serai ravie d'y répondre. Et puis si ça vous a plu, le petit pouce bleu, pensez bien à vous abonner. Je croise les doigts pour vous offrir le test. Là, vous l'avez vu, hein, je suis sur Death Stranding, donc forcément, je vais passer beaucoup de temps sur le jeu. Peut-être un petit peu moins de vidéos en ce moment. Pas de peur sous la couette demain, jeudi, mais peut-être un début de semaine prochaine. J'essaie de m'adapter, de faire au maximum. En attendant, merci d'être là, de me suivre et surtout d'être patient. C'est une belle qualité. En tout cas, merci encore de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.